l'outil qui a le mieux fonctionné dans le cadre de l'acte 2 de l'agenda 21, ça a été les ateliers avec les habitants. Ça pouvait être le déplacement, le logement, la consommation durable, etc. Et donc la première question qu'on leur posait, c'est quel est le problème ? Ensuite, comment il a évolué depuis 5 ans, puisque nous, on passe à un acte 2. Il y a déjà eu un acte 1 de l'agenda 21 qui a été voté en 2010. Et ensuite, finalement, quel serait l'idéal ? Ça, c'est un peu... C'est toujours assez important de penser en termes d'idéal et pas toujours penser en termes pragmatiques. Et ensuite, quelle serait votre solution concrète ? C'est vrai que c'est un séance qui nous a proposé un premier outil, qui est celui de porteur de parole. Porteur de parole, en fait, c'est donc Anouk, le cabinet, qui allait dans la rue et qui, avec des pancartes, qui interpellait les habitants, eh bien, a réussi à recueillir des témoignages. Et donc, les questions devant le RER, c'était « Quelle est la dernière fois que vous avez pris le vélo ?» Les ateliers qu'on suivit donc en février 2016, c'est des ateliers davantage focalisés sur les actions. Là, le but pour les Vincennois, c'était de réfléchir sur deux types d'actions. Et on leur demandait vraiment d'approfondir cette action parce qu'ils devaient trouver le type de l'action, le contenu, le porteur de projet, le budget, le calendrier, etc. Là où on a été étonnés, c'est que évidemment, on a vu des personnes qui sont impliquées dans la vie associative, donc eux, ce sont les plus susceptibles de venir aux ateliers, mais on a aussi vu des jeunes qui n'avaient jamais participé, par exemple, à d'autres événements de la ville, ou encore des personnes qui ne savaient pas ce qu'était la démarche Agenda 21, mais qui avaient été interpellées sur la thématique et qui souhaitaient apporter quelque chose. Du mode participatif. Oui, c'est intéressant. Pour moi, c'est une question avec une sous-question. Est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont... Quel a été votre déclic pour engager une démarche participative et le premier pas ? Vous avez deux questions en une, là ? Non. Le premier, peut-être, levier que nous, on n'a pas réussi à dépasser à Vincennes, c'est l'aspect numérique. Je pense qu'il est très important d'avoir un blog ou un site internet sur lequel on puisse échanger avec les habitants qui ne peuvent pas venir aux ateliers. Un autre conseil aux collectivités, c'est pour les services et les élus, connaître l'ambition qui va être mise dans l'agenda 21. Le but du processus, c'est d'être dans une amélioration continue, d'avancer ensemble, d'essayer de trouver un point commun entre tous et de tous partir vers le même projet. Et aujourd'hui, on est en train de discuter, on fait des retours entre les élus et les services pour reformuler les actions, voir si elles sont faisables et puis évidemment rédiger l'acte 2 final. Donc on était en lien constant avec une équipe rapprochée, on va dire, de 5 ou 6 conseillers municipaux qui ont toujours, grâce notamment à leur mandat, donc certains étaient dans le social, d'autres la petite enfance, d'autres encore la voirie, eh bien apportent quelque chose aussi au processus. Donc c'est pas du tout un processus qui est seulement fait avec l'élu en charge d'agenda 21 et des habitants, mais c'est vraiment un processus qui va constamment vers les habitants, vers les élus, vers les services et qui revient.